Hello, dear parents and scholars. My name is Madame Pongo. I teach here at Yankee Ridge first grade dual language, French and English. Students at Yankee Ridge follow the three wide, school-wide expectations. We are respectful, we are responsible, and we are safe. Today, I am going to talk about the PBIS bus expectations. Students need to greet the bus driver and the bus monitor, and they also need to listen to them. Students must take care of their belongings. They need to put their foods and drinks in the backpack. They also need to remain quiet during the entire ride for everyone's safety and protection. Thank you very much. Bonjour chers parents et élèves, je suis Madame Pongo, j'enseigne ici à Yankee Ridge en première année, programme bilingue français et anglais. Les élèves de Yankee Ridge suivent les trois attentes à l'échelle de l'école. Nous sommes respectueux, nous sommes responsables et nous sommes en sécurité. Aujourd'hui, je vais vous parler de comportements à adopter selon PBIS dans les bus. Les élèves doivent saluer les chauffeurs de bus et les moniteurs. Ils doivent aussi les écouter. Les élèves doivent prendre soin de leurs objets classiques et de ceux qui leur appartiennent. Ils doivent également conserver leur nourriture et leurs boissons dans leur cartable. Restez toujours calme, tranquille et assis pendant toute la durée du trajet pour la sécurité et la protection de tout le monde. Je vous remercie. Hello, Yankee Ridge Scholars. My name is Miss Gibbs, and I teach English as a second language and French literacy intervention. When we walk in the hallway, we keep our head facing forward, our mouths stay quiet, our hands are at our sides or folded in front or behind. When we see our friends, we can do a little quiet wave. Our feet walk calmly, and we stay on the right side of the hallway. These are our hallway expectations. Salut les écoliers de Yankee Ridge. Je m'appelle Madame Gibbs. Je suis professeure de l'anglais comme deuxième langue et la littérature française. Quand on marche dans le couloir, on garde notre tête haute. Nos bouches restent fermées, nos bras tout au long du corps, nos bras croisés vers l'avant et vers l'arrière. Quand on voit nos amis, on peut les saluer calmement de loin. Nos pieds marchent au même rythme et on reste sur le côté droit du couloir. Ça, ce sont nos attentes à ce qui concerne le couloir. Hello, I'm Madame Canary and I'm a fifth grade teacher here at Yankee Ridge, and here are the expectations for the cafeteria. When you enter, you walk in calmly and quietly, you get in line according to your lunch card, and you wait patiently. After you receive your food, give your card to the lunch staff and you can eat calmly at your table. If you have a question, raise your hand, and at the end of lunch, make sure you listen for any instructions. Thank you. Bonjour, je m'appelle Madame Canary et je suis l'enseignante de 5e ici à Yankee Ridge. Et voici quelques attentes dans la cafétéria. Quand vous y entrez, vous entrez tranquillement et silencieusement. Vous vous mettez en rang selon le couleur de votre carte de déjeuner et vous attendez patiemment. Après avoir reçu votre nourriture, donnez votre carte au personnel de la cafétéria. Vous pouvez manger tranquillement à votre table.
Si vous avez une question, levez la main et à la fin du déjeuner, écoutez les instructions des adultes. Merci. Hi, my name is Florence Matthew. I'm the second grade dual language here at Yankee Ridge, and today we're going to be talking about playground expectations. So, of course, as you already know, we come here on the playground during recess, so we want to stay inside the perimeter of the playground where teachers can see you. We don't want to go into the parking lot or out on the street. And we can play in the rocks, but we don't want to be throwing rocks at anyone. And when we go up on the slide, we want to go up the ladder, down the slide, one at a time. Also, if there is snow in the playground, you want to make sure that if you have snow pants and snow boots, you can go out and play on the snow, in the grass, in the gravel. But if you don't have snow pants and snow boots, you want to stay on the blacktop. And that's about it for the playground. So we want you to be safe here at Yankee Ridge. And if you can follow all these rules, you can stay safe and keep everyone else safe. Bonjour, je m'appelle Florence Mathieu, je suis prof de deuxième ici à Yankee Ridge et je vais parler aujourd'hui des attentes sur la plaine de jeu. Donc dans la plaine de jeu, quand on sort pour la récréation, on doit rester à l'intérieur du périmètre où on peut vous voir. On reste sur l'herbe, on ne va pas dans le parking, on ne va pas dans la rue. Quand on joue dans les cailloux, on peut jouer dans les cailloux, mais on ne peut pas lancer des cailloux sur les autres ou même par terre, on ne lance pas les cailloux. Si on va sur le toboggan, on doit monter par l'échelle, descendre par le toboggan, un à la fois, on ne monte jamais par le toboggan. Et aussi, quand il neige, si on a des pantalons pour la neige, une salopette, et si on a des bottes pour la neige, on peut aller dans la neige. Sinon, on reste sur le macadam, en dur, pour ne pas mouiller le pantalon et les bottes, et les chaussures. Et voilà, on veut juste vous garder en sécurité ici à Yankee Ridge, et que tout le monde soit en sécurité, vous et les autres enfants. À bientôt!